Il est très en forme actuellement, la preuve. Ses 3 buts marqués lors de ses 3 derniers matchs. On se retrouve tout de suite pour vivre ça ensemble. Bonsoir à toutes et à tous. Ambiance de grand match ce soir dans cette enceinte. Tout est prêt. Ne manque plus que maintenant que le coup d'envoi. Et ça sera enfin parti. Je commenterai ce match avec l'homme que le monde entier nous envie, Omar Da Fonseca. Place à ce match de phase de groupe à suivre ensemble. L'AC Ajaccio contre Amiens. Consistance, rigueur, détermination pour aller loin dans une compétition. Il faut absolument réussir la phase de groupe. C'est important pour mettre en place une dynamique positive dans l'équipe. Voilà une attaque qui progresse bien. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Mais quel mauvais tacle, c'est incroyable, c'est dangereux. Et l'arbitre devrait logiquement sortir un carton. Oh, l'arbitre qui sort le carton rouge. C'est pourtant le début de la rencontre. Et c'est assez rare. C'est surtout très courageux. C'est une manière de dire à tout le monde, attention, je ne plaisanterai pas avec le règlement. Avec un peu d'espace sur les côtés, dépossédé du ballon. Et voilà, c'est un profil incontournable dans cette équipe. On s'attend à une bonne prestation de sa part. Mine de rien, pour lui, c'est 3 buts marqués lors des 3 derniers matchs. Le ballon dans la profondeur. Le ballon finit dans leurs pieds. Le ballon en touche. Matteo Xantip. Oh, la passe est complètement loupée. Et bien fait, quelle ouverture! Voilà, du monde démarqué pour reprendre le ballon. Bombasso sur cette reprise de volée! Un geste plein de spontanéité, c'est somptueux! Les images nous permettent de revoir la fluidité et la perfection de cette contre-attaque. L'équipe récupère et se projette très rapidement vers l'avant. Mais tout n'est pas terminé ensuite. La pression défensive s'accentue et malgré tout, il arrive à s'en défaire et claquer en bon tir. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Le centre au deuxième poteau. Et au final, cette attaque s'arrête là. Cissé. La bonne percée. Il faut aller provoquer. Ah, y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça. En fait. Payala. Attention avec ce ballon dans les 18 mètres. Mamadou Fofana. Ah là là, ballon perdu sur cette passe mal assurée. Ah, le ballon est centré. La défense a vraiment du mal sur ce centre. Attention, ce n'est pas terminé. Ah non, ça s'arrête là. Oui, c'est bien fait ça. Touche à suivre. L'arbitre siffle la faute. Ça donne donc un coup franc. Du mouvement sur le banc avec ce changement demandé par le staff. Ah, ils se font subtiliser le ballon. Boum, le ballon est dégagé là. Un bon corner pour revenir au score. Ah,
Un corner qui est bien ajusté. Quel réflexe, le ballon est sauvé. Cette tête semblait aller droit dans le but. Superbe intervention. Oh oui, le but. À 10, en infériorité numérique, il recolle à l'adversaire. On revoit ce corner, c'est parfaitement bien frappé, bien négocié. Le ballon redescend bien, mais la défense semble incapable d'intervenir. Et pour finir, la conclusion de la tête. Du début à la fin, c'est une action magnifique. Et avec ce but, score de parité, un partout. Ouais, le ballon est bien intercepté. L'équipe locale a le contrôle du ballon, mais malheureusement le jeu il est trop prévisible. Ça joue au petit trot, on est encore dans la salle d'attente, on patiente, on lit les journaux en attendant notre tour. Mais il faut mettre un peu plus de vertige dans les passes pour déséquilibrer leur adversaire. Et là, pourquoi pas profiter de cette séquence pour créer du danger. Ah, il perd ce ballon. Ah là là, la mauvaise passe. Eh oui, la bonne passe en profondeur. Ah non, malheureusement, ça ne donne rien du tout. Et c'est une remise en jeu à venir. Ah, c'est une transmission bien coupée. Une minute d'arrêt de jeu au minimum. Et donc on va en rester là. C'est la fin de la première période. L'arbitre vient d'indiquer le début de cette deuxième mi-temps. Place au jeu. Ouais, bon geste défensif, le ballon change de camp. Allez, l'attaque pour aller mettre la pression. Et ce centre vers le point de pénalty. C'est une bonne intervention pour écarter le danger. Allez, l'équipe peut jouer le contre. Oh, c'est un bon ballon ça. Attention, ce n'est pas fini. Ouais, ça partait bien, mais ça s'arrête là. Ah, dribble manqué et le ballon finit hors des limites de la pelouse. Et les voilà en possession du ballon. Ouais, super, le ballon donné dans la profondeur. À la parade, mais le danger est toujours présent. Pourquoi pas prendre l'avantage sur ce corner. Et le remplacement peut avoir lieu. Ouais, bien frappé ce corner. Un face-à-face à négocier. Oh, la bonne parade. Première occasion depuis un moment.
corner, le public y voit même l'occasion de prendre l'avantage. C'est un changement donc. Le corner. Oh, et il repasse devant avec ce but. C'est la révolte après l'égalisation. C'est un but au mental pour reprendre l'avantage. Revoyons ce corner, c'est très bien tiré parce que le ballon est envoyé dans une zone dangereuse. Quant à la conclusion, une tête qu'on voit le ballon au fond des filets. Et avec ce but, ça fait donc 2-1 au tableau d'affichage. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Fofana. Et la récupération du ballon. L'arbitre laisse l'avantage. L'arbitre laisse l'avantage. Excellent timing sur cette interception. C'est un ballon de contre à jouer. Mais non, ce ballon est perdu. Par-dessus, c'est très bien joué ce ballon. Il peut tenter sa chance. Quel jaillissement pour empêcher le tir. Bon ballon en profondeur. Attention à cette passe. La défense a vraiment du mal sur ce centre. Attention, ce n'est pas terminé. C'est sauvé par le gardien. Quelle parade! Ah, bien placé pour une frappe, peut-être. Et c'est loupé, pas de réussite. Voilà, un peu de fraîcheur avec ce remplacement. Attention, s'il vous plaît. Nous rappelons à tous les supporters que les billets pour le prochain match sont d'ores et déjà à la vente sur notre site internet. Dépêchez-vous, il n'y aura pas que du monde. Ah, malheureusement, la possession est perdue. Ah, c'est bien joué, il y a une bonne progression. Attention, très bonne occasion. Et voilà, c'est un nouveau but. Ce but qui vient leur offrir deux longueurs d'avance. On le revoit et c'est le but typique d'avant-centre. Le type qui est toujours au bon endroit, au bon moment. Aucune chance pour le gardien à cette distance. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Et avec ce but marqué, le score est maintenant de 3-1. Et bien vu, la passe en profondeur. Alors je signalais sur ce ballon. Il y a une intention qui est bonne, mais la passe est partie un peu trop tard. Interception et récupération du ballon. Oui, un peu d'espace, l'occasion d'avancer dans le couloir. En très bonne position. Et super arrêt, le danger était réel là. Le but semblait tout fait, j'allais même crier goal, goal. Mais c'était sans compter sur le gardien qui nous a sorti un arrêt des grandes classes. Le ballon en touche. Un petit ajustement tactique avec ce remplacement. Nourri. Oui, le long ballon. Oh, la bonne parade. Le corner. Non, dégagement manqué et attention, peut-être une nouvelle occasion. Excellente défense dans la surface. Il y a un contre possible à jouer là. La passe en profondeur. Et le tir part bien. Ouh, comme c'était dangereux ça. Le contre est très bien amené, mais la conclusion, c'est un gros manque de lucidité.
Cissé. Ah, le ballon récupéré grâce à ce bon tacle. Ouais, le jeu est là, dans ces espaces latéraux. Et un ballon facile pour le gardien. Voilà, c'est indiqué par le quatrième arbitre. 3 minutes de temps additionnel au minimum. Amouma. Voilà, c'est un bon centre dans la surface. Parade, oui, du gardien. C'est terminé, donc le coup de sifflet final dans cette rencontre. Et une bonne victoire de l'équipe locale. Oui, une victoire assez nette. 2 buts d'écart, ça donne le permis de crédibilité à cette équipe. Ah, c'est peut-être pas son jour aujourd'hui, la prestation elle est assez moyenne de sa part. On connaît sa capacité à faire beaucoup mieux, mais manifestement, c'était un jour de centre.